Salut à toutes et à tous. Bah écoutez, aujourd'hui je vous retrouve pour un tag qui est le tag sans question que personne ne pose. Donc ce tag je l'ai vu sur la chaîne de Luffy et donc j'ai les questions juste à côté. Ça se regroupe sous forme de 100 questions. Donc on a toute une vie pour parler. Donc je prends la petite tablette et on commence tout de suite. Tu dors avec la porte de ta chambre ouverte ou fermée? En général ouverte pour entendre Gauthier pleurer. Emportes-tu les échantillons de shampoing, de gel douche des hôtels? Oui. Tu dors dans un lit bordé ou pas vraiment fait? Jamais fait. Parce qu'en fait, les acariens, quand on fait le lit, restent à l'intérieur, donc il est préconisé d'ouvrir le lit. Donc le soir, en fait, c'est le soir que je viens border la couette. Mais il est jamais fait. As-tu déjà volé un panneau dans la rue? Non, mais avec un ex, on a volé un cône. Je conduisais et lui a pris un cône de la sécurité routière. Et l'a balancé au-dessus d'un pont de voie ferrée. Enfin, il faut surtout pas faire, hein, c'est des bêtises, mais elle était complètement cinglée, donc voilà. 5. Utilises-tu des post-it de temps à autre? 6. Découpes-tu des bons de réduction pour finalement ne jamais les utiliser? Ouais, c'est tout à fait moi, quoi. 7. Tu préférerais être attaqué par un gros ours ou par une armée d'abeilles? Un gros ours, au moins j'ai encore l'espoir de pouvoir courir très vite. 8. As-tu des taches de rousseur? Pas vraiment. 9. Souris-tu sur toutes les photos? Pas vraiment non plus. 10. Quel était ton plus gros caprice? J'avais, je crois, 7 ou 8 ans et j'étais en Espagne. Et en Espagne, c'était la folie des Tamagotchi. Et en fait, je voulais absolument un Tamagotchi parce qu'il n'y en avait pas encore en France. Et dans tous les magasins de la ville, de jouets, c'était épuisé. Et j'ai pété un scandale pour en avoir un. Et en fait, j'ai eu beau pleurer toutes les larmes de mon corps, j'en ai jamais eu un. J'en ai eu un, je crois, bien un an après, quoi. Parce que du coup, j'avais pété mon câble et ma tante, enfin ma marraine, c'est ma marraine, et ma cousine, elle fait les deux, double emploi. Du coup, elle m'en a acheté un juste pour faire genre, elle en avait quand même acheté un, quoi. 11. Comptes-tu les marches que tu montes? Non. As-tu déjà fait la petite commission besoin dans la forêt? Hein? Ta petite commission besoin dans la forêt? Oui. J'ai toujours des mouchoirs, donc 13. Et la grosse commission? Je n'ai pas souvenir, à moins que je sois petite. Non, je sais pas. 14. Danses-tu même s'il n'y a pas de musique? Oui, beaucoup. Oui, beaucoup, surtout avec Balou à la maison. 15. Mâches-tu le bout de tes stylos de crayon? Non. 16. Avec combien de personnes as-tu dormi cette semaine? Deux, mon fils et Bonne. 17. Quelle taille fait ton lit? 180 sur 200. 18. Quelle est ta chanson de la semaine? Je voudrais un bonhomme de neige ou bien jouer avec moi. Mais bon, comme je vous ai fait déjà le tag je voulais un bonhomme de neige, je l'ai eu. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. 19. Est-ce ok de porter du rose? Oui. 20. Regardes-tu encore les dessins animés? Oui. Je vous citerai aucun parce que j'ai pas le souvenir, mais oui, ça arrive. Surtout quand je tombe sur Totally Spies, je la regarde pas, mais vous savez, en fond, on oublie qu'on est tombé sur quelque chose de nul, mais bon. 21. Quel est ton dernier film vu et que tu as aimé? Dernier film vu et que j'ai aimé. Je vous l'écrirai ici là, parce que j'ai un trou. 22. Où cacherais-tu ton trésor si tu en avais un? Dans les bouches d'aération, vous savez, bien caché dans les murs. 23. Que bois-tu en mangeant? De l'eau. 24. Avec quelle sauce manges-tu tes nuggets? Mayo. Mais je ne mange pas de nuggets. 25. Quel est ton plat préféré? Les pâtes. 26. Quel film pourrais-tu regarder encore et encore et encore aimer? N'oublie jamais. C'est un film avec Robbie Williams. Ou Robin Williams, et j'aime beaucoup. 27. La dernière personne que tu as embrassée, mon fils. 28. As-tu fait les scouts? Non. 29. Poserais-tu des nudés pour des magazines? Certainement pas. 30. Quand était la dernière fois que tu as écrit une lettre sur du papier? Ben, c'est pas vraiment une lettre.
C'est, ben, je vous dis, dans le carnet à Hugo où j'écris toutes mes lettres qui répondent peut-être sans réponse. Le 31, sais-tu mettre de l'essence dans une voiture? Oui, même du gasoil. Et dans une moto aussi. 32, as-tu un PV pour excès de vitesse? Jamais. 33, tomber en panne d'essence de voiture? Jamais. J'ai juste mis du gasoil dans de l'essence. Non, de l'essence dans du gasoil. Bref. 34, ton sandwich préféré? Ton maillot. 35, la meilleure chose au petit déjeuner? Tartine avec du pain et du beurre. 36, en principe, à quelle heure vas-tu te coucher? Ça dépend, entre 9h et 2h du matin. 37, es-tu feignante? Je ne pense pas. 38, quand tu étais petite, en quoi te déguisais-tu pour Halloween? Ben, comme tout le monde, je crois, sorcière. 39, quel est ton signe astrologique chinois? Je crois que c'est buffle. 40, combien de langues peux-tu parler? Anglais, français, espagnol, italien, 4 minimum. J'ai des notions de chinois, quoi, mais on va dire 4. 41. Es-tu abonné à un magazine? Non. 42. Plutôt Lego ou Domino? Lego. 43. Es-tu têtu? Totalement. 44. Claire Chazal ou Jean-Pierre Pernaut? Claire Chazal. 45. As-tu déjà regardé les séries à l'eau de rose? Séries à l'eau de rose? Genre, ouais, feu de l'amour avec ma grand-mère. 46. As-tu peur du vide? Je pense pas. Non, mais oui. Si ça a des grandes hauteurs, peut-être. Mais monter sur une échelle, ça va encore, quoi. 47. Chantes-tu dans la voiture? Tout le temps. Chantes-tu sous la douche? Aussi. 49. Danses-tu dans la voiture? Oui. Coup d'oro, machin et tout. 50. Utilise un pistolet. As-tu déjà utilisé un pistolet, je pense? Oui, tout à fait. Air comprimé. 51. La dernière fois que tu as été photographiée par un photographe? C'était, je crois, j'avais 19 ans et c'était pour un concours de chant. Et d'ailleurs, je suis arrivée première Champagne-Ardenne. Je suis montée à Paris et pour cette occasion, il fallait un book. J'en avais pas et donc j'ai fait faire une séance photo par un pro qui m'a coûté la peau des fesses pour rien, parce qu'au final, je n'ai pas souhaité continuer les concours de chant, etc. Parce que j'ai été invitée à aller chez Sevran et j'avais mes études à côté. Et quand j'ai vu les gens qui se tiraient dans les pattes, j'ai dit c'est pas pour moi, quoi. Moi je suis trop gentille et ça, c'est pas mon délire. 52. Aimes-tu les comédies musicales? Oui. Notamment les 11 commandements. Non, oui, si. Les 10 commandements. Ouais, les 10 commandements, elle était très bien cette comédie musicale. 53. Noël est-il stressant pour toi? En général, non. 54. As-tu déjà mangé un pierogi? Je ne sais pas ce que c'est, donc non. 55. Ta tarte aux fruits préférée? Pomme. Quatch. 56. Que voulais-tu faire quand tu étais enfant? Dentiste. 57. Crois-tu aux esprits? Tout à fait. 58. As-tu des impressions de déjà-vu? Oui, beaucoup. 59. Prends-tu des vitamines? Oui, beaucoup. 60. Portes-tu des pantoufles? Oui, mais elles sont des glingues. Faut que je les change. 61. Un peignoir? Oui, tout le temps. D'ailleurs, vous l'avez vu à maintes reprises en vidéo. 62. Que portes-tu pour dormir? En général, rien. Et rien. Et aussi chemise de nuit. Ça arrive. 63. Ton premier album reçu, c'était Jean-Jacques Goldman. 64. Carrefour, Deleuze ou Lidl? Carrefour. 65. Nike ou Adidas? Nike. 66. Hamburger ou frites? Hamburger. 67. Chant de tournesol ou de coquelicot? Je dirais tournesol pour ma maman parce que je l'adore. 68. Déjà entendu parler du groupe Très Bien? Non. As-tu déjà pris des cours de danse? Oui, de hip-hop. 70. Quel métier vois-tu ton futur mari faire? Ce qu'il fait déjà. Homme cinéma. Ouais, un homme cinéma. 71. Peux-tu faire des formes bizarres avec ta langue? Non, pas particulièrement, non. 72. As-tu déjà gagné une coupe? Non, pas du tout.
Je suis nulle en sport. 73, as-tu déjà pleuré de joie? Oui, tout à fait, à la naissance de mon fils. 74, as-tu un quelconque vinyle? J'en ai eu, chez ma mère. C'était pas moi, c'était ma mère. As-tu un tour de disque? Oui, chez ma mère. 76, brûles-tu régulièrement de l'encens? Non, j'ai beaucoup fait, par le passé, mais non. 77, es-tu déjà tombée amoureuse? Bien sûr. 78, qui aimerais-tu voir en concert? J'ai dit non. Qui aimerais-tu voir en concert? JCJ. Ah, j'adore ce film. 79, le dernier album que tu as acheté? JCJ. 80, t'es chaud ou t'es glacé? Les deux, ça dépend du temps. 81, thé ou café? Plus thé. 82, avec du sucre ou petit gâteau? Avec du sucre. 83, sais-tu bien nager? Oui. 84, peux-tu retenir ta respiration sans avoir un pincé de nez? Oui, tout à fait. 85, es-tu patiente? Ça dépend des fois, ça dépend avec qui, avec mon fils, oui, et des fois je perds patience, ça dépend. 86, DJ ou groupe pour un mariage? DJ. 87, as-tu déjà gagné un concours? Oui, surtout au loto. Les lotos, vous savez, kin, les lotos kin, je gagne en général pas mal. J'ai plein de chance. Ensuite, 88, eu recours à la chirurgie esthétique? Pas du tout, avoir un peeling chimique, c'est tout. 89, olive verte ou noire? Verte. 90, sais-tu coudre ou tricoter? Je ne sais pas coudre, je sais tricoter en revanche. Aux aiguilles et au crochet. Ensuite, 91, meilleure pièce pour une cheminée? Le salon. 92, veux-tu te marier? Oui, pourquoi pas. 93, si tu es mariée, cela fait combien de temps? Je ne suis pas mariée. 94, avais-tu un amoureux en primaire? Oui, c'était mon meilleur ami en l'occurrence. Enfin, un amoureux, c'était même pas mon amoureux, tout le monde nous voyait ensemble. On se faisait des bisous, entre autres, lui, quand on était petit, il me faisait des bisous sur les fesses. Voilà quoi, ils ont tous cru qu'on allait finir ensemble. Mais non, lui est barré au Canada. Ensuite, 95, pleures-tu jusqu'à ce que ça aille mieux ou gardes-tu tout pour toi? Je pleure, définitivement, ça fait du bien. 96, as-tu des enfants? Oui, j'ai un petit garçon. 97, en veux-tu? Oui, pourquoi pas un petit frère ou une petite sœur. 98, quelle est la couleur préférée? Je dirais ma couleur, hein. Le blanc, j'aime bien le blanc. Et le bleu un peu. Ouais, bah j'ai eu plein de couleurs en fait, c'est pas des préférées, mais le bleu turquoise, tout ça. 99, est-ce que quelqu'un te manque tout de suite? Pas vraiment. Si, j'ai menti. Beaucoup, ma grand-mère. Et elle me manquera toute ma vie. Voilà, elle est décédée déjà depuis 2008. Et c'est un grand manque dans ma vie, c'est pour ça qu'elle s'appelait Huguette. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé mon fils Hugo. En même temps, si j'avais eu une fille, je vois pas comment j'aurais pu l'appeler Huguette. Parce que franchement, pour le porter, c'est dur, dur, dur. Et 100, regardes-tu Koh-Lanta? Je ne regardais pas. Voilà, c'est toutes mes réponses à ce tag des 100 questions que personne ne pose. En même temps, on se demande pas pourquoi. Donc voilà, j'espère que ce tag vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Allez voir les Twitter, Instagram, Facebook que je viens de créer. Comme ça, on pourra toutes parler bien plus longuement que sur YouTube où c'est pas très très facile. Et n'oubliez pas que la vie est belle en rouge. Je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.